Bonjour, bonsoir, messieurs, dames, la famille, la société, quel que soit à côté, ou bien qu'il le, ou pas une chance de suivre vidéo ça. Merci une autre fois encore de ce que vous manifestez nous en pile fidélité et vous présent pour capable suivre un nouveau programme ça. Nous pas, c'est merci Dieu. Bienvenue sous la caille. Quelques petites nous pas développer pour nos vidéo ça. Il y a un conflit familial qui éclaté en République dominicaine côté une dame qui d'amour un haïtien li sauvé vin vivre en Haïti avec haïtien ça. La police dans pays Saint-Domingue n'a tête collé avec police nationale pays d'Haïti, yo mené une enquête jusqu'à ce que yo arrêté haïtien avec dominicain ça n'a retourné pour capable d'où pour qui raison. Pour que ça, la police des pays ça au fourré pied dans le dossier jusqu'à ce que hier, dans l'hôtel Oasis, dans Pétionville, des gens ont rejoint l'arrestation. N'a pas rentré tout de suite en République dominicaine, côté yon haïtien, ensemble avec yon vénézuélien, joint arrestation yo, côté yon accusé de trafic et exploitation des petites femmes. Colombienne n'a pas retourné pour nous capable porter des détails pour deux informations ça yo. Entre temps, nous voulons prendre quelques secondes pour nous capable remercier ou même qui permettent que le travail qu'on a fait à lui-même lui possible qui ou même qui toujours là pour qui partager ou même qui like qui quitter un commentaire. Merci pour support, merci pour collaboration. Et si c'est pour la première fois vous suivre nous, on a invité pour capable faire partie de grande famille voilà caille pendant que vous abonnez avec nous. Activez la petite cloche là, quittez un grand commentaire pour nous. Et puis comme ça, on va être capable toujours un but de tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. Une autre fois encore, moi dis nous, bienvenue. Tout de suite, on nous rentre dans le développement et nouvelle saillot. Hier, en République dominicaine, il y a un haïtien, M. Relé Richard Wendy Jacques, de 30 années, de jeune arrestation. Ensemble avec un vénézuélien qui est Astrid et Nayrut Sanchez. Eh bien, ils ont arrêté dans Babalo, ils ont accusé de ce qu'ils ont commercialisé, ils ont exploité sexuellement des jeunes colombiennes. Des jeunes colombiennes, ça, ils ont gagné seulement 19 avec 20 années. Pour raison de sécurité, eh bien, la police, autorité Saint-Domingue, pas bah, non vénézuélien, ça, yo. Mais haïtien, ensemble avec, vénézuélien, non, lui-même, qui s'est dé à tout fait, yo, utilisé des jeunes, ça, yo, côté, il a fait l'argent, ensemble avec lui, yo, fermé un côté, pour n'importe qui qui besoin de relations sexuelles, seulement mettre vini, ou payer kobou, eh bien, ou capable de passer de bon moment ensemble avec deux jeunes colombiennes, ça, yo. Eh bien, deux haïtiens avec, vénézuéliens, ça, eh bien, yo, jeune arrestation, yo, et yo, bien, pour yo, capable de répondre, et question la justice. Ça passe dans Igwey, et yo, arrêté, yo, pour traite avec trafic, et de monde. Hier, on a rentré en Haïti, côté gagné yon haïtien avec yon dominicaine qui joigne arrestation yo. Ça yo fait? Sur toutes les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent que c'était kidnapping, ce n'est pas question de kidnapping, mais c'est une famille dominicaine, une dame qui a deux petites ensemble avec un dominicain, et qui quittait ensemble avec un dominicain, elle vient d'amour un haïtien, et bien elle prend décision et pour le capable de vivre en Haïti, mais elle commet une grosse erreur. Et dame gagne deux petits mouns avec dominicain, et bien il prend deux petits mouns sans permission papa, et bien il vient ensemble avec eux en Haïti. Et tout le monde nous connaît, et ou pas capable de faire ça, ça c'est un gros délibier. Et petit moun nan, c'est il gagne maman, il gagne papa. Papa pas capable de déplacer, quitter un territoire, aller sur l'autre avec petit moun sans que maman pas d'accord, ni maman pas de faire tout sans que papa pas d'accord. Et bien papa ça qui t'a le côté plainte dans la police. Et bien, la police dominicaine qui t'a peine une investigation ensemble avec la police haïtienne, et bien, yo vin joindre deux mouns haïtien avec dominicaine nan, yo ben nan yon hôtel nan Pétionville qui c'est hôtel Oasis, c'est là que yo joindre arrestation yo hier,
des petits mounio yo trouvé dans ambassade dominicaine en Haïti pour capable mettre à papa, mais dominicaine avec haïtien yo trouvé dans commissariat et Delma et Pétionville, dans commissariat Pétionville côté yo gain pour capable à répondre question la justice, mais c'est en République dominicaine que yo pas le voyer yo, yo gain pour aller retourner au Saint-Domingue pour capable venir répondre question la justice. Et c'est un bagaille grave que deux moun sa yo yo arrivé commettre. Transition pas jamais porté rien pour pays. Tout goumé m'a fait là. Trois kabaga m'a battu avec deux dans transition vous fait. Qui ça transition qu'on porté? Transition porté vieux contre maladjon. Transition séparer l'état en miettes morceaux et puis chaque moun kembe yon morceau l'état dans poche yo. Mes amis, nous pas ka continuer à faire comme ça. Mais mandé pour tout acteur yo faire un effort pour mettre pays à sur la stabilité. On nous chita balé. Lever, camper, goumen pacifiquement pour retirer le régime ça, pour aller dans une transition qui pour permettre que le pays soit capable de remettre l'institution sur rail. Nous pas capable d'aller dans un référendum inconstitutionnel avec PHTK. Nous pas capable d'aller dans l'élection avec PHTK. Et nous avons une grande bagaille pour la population et camper, c'est pour aller dans la transition et transition après. Mais prier acteurs en grâce, ni les gens qui sont en opposition, ni les gens qui sont en pouvoir, en nous chercher une entente de préférence pour permettre nous arriver à réaliser ce qui est doter le pays d'une nouvelle constitution et prendre toute disposition pour nous faire élection dans la fin d'année et pour nous remplacer. Monde qui mérite remplacer, dont le président Jovenel, je pense que la transition est plus favorable, il est plus potable, il est plus bon pour la stabilité de la démocratie dans le pays. Gen un peu le monde qui n'est pas d'accord, c'est grâce à l'élection que libre et honnête démocratie a retourné correctement en Haïti. D'après Mounsayo, Haïti besoin d'un gouvernement transition pour remettre le sous route démocratie. C'est une idée qui est attirant. Mais qui est-ce qui tape dans le gouvernement ça? Comment yo tape choisi yo? By qui électeur yo tape gain pour yo rendre compte? Qui loi qui tape défini mandat yo? Est-ce que un gouvernement transition tape empêché gain l'autre désordre en Haïti? Est-ce que ça tape permettre calendrier électoral là pas en retard encore en Haïti? Nous te vivons ça déjà. Donc déclaration Julie Chang, sénateur Nenel Kassi, membre secteur démocratique et populaire qui lui-même a réclamé une transition, réagit sous déclaration Madame Chang. Transition, nous avons un document déjà pour lui. Mécanisme pour nous choisir maintenant, nous avons des gens pour nous choisir, nous choisissons déjà. Nous choisissons mes scènes. Pas de problème, tout le monde d'accord. Pas de chaos. De pour bailler le peuple à pouvoir, pour organiser la transition, pas de chaos. C'est leur refuser le pouvoir. C'est leur refuser mener une élection libre, honnête et démocratique. Soumener une élection tête en bas, ou faire référendum tête en bas, à bien chaos. Mais ça veut dire de pour respecter l'accord 28 janvier 2021, pas bien chaos, parce que c'est tout secteur dans la vie nationale qui mettait d'accord dans ce sens. Ça veut dire dans ce sens, nous-mêmes, nous engager pour nous faire une transition de rupture. C'est peut-être ça, nous baptiser transition de rupture. Ça veut dire pas de transition encore. Et m'a dit Julie Chan, question élection à parler, chaque fois qu'il y a une élection faite dans le pays, c'est sous chaos de boucher.